Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. Son discours était rassurant et nous espérons vivement qu'il aura le temps, les moyens, et en termes financiers, en termes matériels, mais aussi en termes humains, pour l'accompagner afin que les objectifs que lui-même s'est fixés pour cette transition de 18 mois, qu'il puisse les atteindre et qu'il puisse rendre le pouvoir à un président élu, sans tâche, élu, avec tout ce qu'il y a de propre. C'est ce qu'il a dit lui-même et c'est ce que les Maliens attendent aussi. Les priorités, c'est la sécurité, la santé, l'éducation et aussi nous voulons être fiers parce que nous voulons être fiers de notre armée. Et la sécurité est très importante. Ce qu'il dit, c'est ce que le peuple attend. Et le peuple doit se mobiliser pour ce que ce discours est de le faire. Et officier d'honneur qu'il est, il tiendra parole. Et c'est extrêmement important. Il a dit quelque chose de très important. Il ne peut pas gérer zéro corruption, mais zéro impunité. Et que tous les dossiers seront transmis à la justice et que les moyens seront mis à la disposition de cette justice pour qu'enfin, cette justice soit au service du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le Mali ne souffre que de cette impunité. Et les ressources de l'État sont détournées. Et sans conséquence, c'est un discours rassurant, mais nous pensons que pour une fois, nous sommes dans de bonnes mains, Inch'Allah.